et avance le Dead by Daylight. C'est parti! La diabolie! In the night, house calm, and the land is dark. Mélanie! 2 secondes. Mon père, il sait pas qu'est-ce que c'est Pokémon encore, attention. Voilà, donc j'ai répondu à cette question à mon père, qui était bien marrante quand même, parce que, hein, écoutez... En fait, il m'a pas demandé qu'est-ce que c'était Pokémon Go, hein. Il m'a pas demandé ça exactement, mais c'était un peu, il me disait que c'était, il croyait que c'était qu'un monde virtuel. Je lui dis, tu peux utiliser ton appareil photo justement pour faire genre que ce soit pas virtuel. Voilà, je lui dis ça. Et bien, c'est en fait, il y a quelqu'un qui s'est pris entre deux tombes, enfin qui s'est fait prendre, attends, qui a pris un Pokémon entre deux tombes, et ça c'est un peu, c'est assez glauque, tu vois, donc au final, il y a eu un, soi-disant, un procès sur ça. Donc c'est bizarre, mais un quai. D'accord, un quai. Attendez. Ah, j'ai une mise à jour, c'est pour ça. Bon, attendez 2 secondes. J'ai une petite mise à jour de Dead by Daylight dans 3 minutes. Ce sera fini. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Bah rien. Voilà, on va parler de Pokémon. Alors, Pokémon Go. Alors, je mets ma grosse tête, voilà. Hop. Ah, mais quelle horreur. Ah. Donc, au final, Pokémon Go, moi, j'y joue, hein, perso. Et tu le fais bien, le 1K. Ouais, je le fais bien, ça va. Just map. Ah non, c'est Just Mad Cap. D'accord, ok. Très dur comme prénom, merci. Comme pseudo plutôt, hein, parce que si ton prénom s'appelle comme ça, si tu t'appelles comme ça, je te plains un peu, tu vois. Donc voilà. Donc Pokémon Go, voilà, vous connaissez tous Pokémon Go, hein. Voilà, on fait une petite vidéo Pokémon Go, hein. Pourquoi pas? Juste en attendant, c'est tout, hein. Attends, lancer le jeu. Voilà, je vais marquer ça parce que comme ça, sinon, je vais. On attend taper. Donc vous avez vu le Léviator. Le Léviator des familles. Merde, il est plus là. Tant pis. Bon, là, actuellement, voilà. Il n'y a pas de Pokémon à côté de moi. C'est normal parce que je suis actuellement dans ma maison. Et s'il y avait des Pokémon dans ma maison, ce serait chaud. Donc je vous montre un peu mes Pokémon. Ce serait marrant. Non, c'est le côté Pokémon. C'est dur de... Ah, hop. Hop. Voilà, donc j'ai un Hypnomade. Roucarnage. Nosferatu. Attends, je vais vous les dire. Nidorino. D'accord, oui. Nidorino, Liputu, Evoli, Spectrum, Paraponita, Melofé, Hippotrampe, Mimitos, Rondoudou, Nidoran, Poissirène, Spectrum, Krabi, Nidoran, Tentacool, Psychoquack, Carapuce, Tari, Coquillasse, Hippotrampe, encore une fois. Un petit... Oh, tu t'es fait ban par Nightbot, excuse-moi. Enfin, je sais pour rien, mais... Alors, les Pokémon, rien ne nous arrêtera. Non, c'est vrai que rien ne nous arrêtera. C'est vrai que, des fois, moi, je sors dehors. Enfin, quand je vais à mon auto-école, parce qu'actuellement... En fait, il fait chier ce soleil derrière. Quand je vais actuellement à mon auto-école, oui. Et bah, je passe et j'y vais en marchant. Donc, je fais marcher mes œufs. Grâce à ça, c'est ça qui est bien. Ça va, le bot... Je sais pas ce qui je suis. Il sait pas qui tu es, non. Même moi, je sais pas qui tu es, je te connais pas. Mais j'ai bientôt... Tu as l'air gentil. Donc j'ai l'état Hippotramps, Sablette, Racaillou, Piafabec, Rhinogome, Voltorb, Ratatac, Fantominus, Ramolos, Racaillou, Rocoups, Melofé, Hippotramps, Abra... Machoc, Magikarp, Chrysastier, Conconfort, Miaou, Smogo, Magikarp, Nidoking. Mais avec un PC de merde.
Matez-moi ça. Matez... Merde, ma montre. Matez mon Nidoking avec un PC 31. Attention, hein. Et j'ai un Electek avec un PC 28 aussi, c'est chaud. Bulbizarre 14, Misterbe, Ferrocin, j'ai encore un Magikarp. C'est absolument magnifique. Donc je crois que mon jeu va se lancer. Donc on... Oh, j'ai un Ratatag dans le coin. Je vais aller les capturer, attention hein. Alors, je sais pas, auto-école, tu vois quel âge. J'ai 16 ans et oui, je fais une formation. Donc je passe ma journée à l'école, à l'auto-école. Donc ce matin, j'ai commencé à 9h, pardon, donc je me suis levé à 7h30. Et j'ai fini à 17h. Demain, ça va être chaud. Je fais 10h-20h. Bien sûr, j'ai 2h pour manger. Non, 3h même. Je m'arrête à 15h. Je reprends à 15h. Et en plus, je conduis en même temps. Et c'est chaud de conduire, la réalité, hein. La réalité, c'est chaud. Faut regarder droit devant toi. T'as une ligne droite. Enfin, en fait, faut pas que tu fixes. Et moi, j'ai l'habitude de fixer, donc c'est assez chaud. Là, c'est chaud, voilà. C'est très chaud. Voilà, donc le jeu a commencé. Donc on va arrêter de faire la blonde, là. Et on va tout de suite...